vachement lourd. Bête de public, c'était chaud. C'est de tout. C'est chaud. C'est qui est bien avec l'inscrit. C'est que tout public, tout âge. Les petits, des petits de 20 ans, là, c'est ça. Et des anciens aussi. Et donc c'est pour ça qu'on leur fait un peu de tout, t'as vu. Un peu de musique, des sons qu'ils connaissent peut-être d'il y a 10 ans, d'il y a 11 ans, 12 ans, tu vois. Ouais, avec quelques nouveautés, c'est vrai que ça bouge plus dans les anciens. Mais c'était bien, bonne ambiance. Hein. Ouais, c'est une bonne ambiance, on reviendra, c'est sûr. Ouais, y a des mecs qui ont rebondi, par exemple des mecs comme DI, Barbès Clan, ils préparent leurs trucs. Voilà, ils surfent un peu sur la vague Secret Connexion et c'est normal parce que dans le groupe, ça a été fait pour ça. Moi, je pense qu'il y a un coup de pouce aussi au mec du quartier. Ouais, nous, dans notre démarche, on sait ce qu'on a fait. Maintenant, il y a des gens dans nos démarches qui n'ont pas forcément compris. Donc, aussi. Je pense que c'est plutôt qu'il y a eu un accueil mitigé, vu qu'on a fait un album un peu foirefouille, où il y avait beaucoup, beaucoup de titres. Donc, les gens, ils n'ont pas pu vraiment adhérer à un truc aussi... Tu vois, aussi gros, tu sais, dur à digérer parce que long et avec des invités qu'ils connaissaient pas forcément. Donc, et des morceaux qu'ils connaissaient aussi à l'avance, qu'on avait sorti en maxi comme Bass Bar, tu vois. Donc, à la fin, ça a donné un accueil entre ceux qui nous connaissaient et qui attendaient aussi des boucles de soul ou des choses comme ça, et qui dans les instrus sont pas forcément retrouvés. Car Scred, c'est aussi un groupe de musique qui recherche, qui cherche, qui fait des essais. Donc, ouais, moi je dis, à mon goût à moi, mitigé par rapport au public. Mais nous, par rapport à nous, on a réussi la mission qu'on voulait faire. C'est perpétuer le fait qu'on vient d'un quartier et que nous-mêmes, on nous a aidés à faire des choses. Et donc, on fait la même chose. On invite des gens, on continue. Il y a le poids des mots, ça sort le 29 novembre. Donc voilà, c'est une suite. Moi, j'ai voulu balancer un projet. Voilà. 17 titres, des featuring, des beatmakers, mon univers. J'ai ramené un peu mes morceaux solo que j'ai développés juste après Ni Vu Ni Connu. Et voilà, j'ai balancé ça. Nouveau clip avec Olivier Besancenot, on s'habitue à tout. Là, je vais balancer un autre clip. Voilà quoi, c'est la suite logique pour nous, tu vois. Après chacun, on est dans les délires solo en ce moment, tu vois. Après, on a fait 36 titres, on a taffé comme des chiens et tout, tu vois. Ça fait, on a beaucoup écrit, on s'est pris la tête, 4 mecs à gérer, tout ça, les featuring. Donc ça nous a pas fait de mal de bosser un peu en solo, tu vois, de faire ses morceaux. C'est un univers différent, Moclès. Ouais. Tu vois, c'est son écriture, ça, au moins, les gens vont découvrir. Qui, ouais, y a avec Miles Machiavellic, il y a un morceau avec Mister You, il y a un morceau avec Demi Portion, voilà, pas plus de feat. C'est des morceaux que j'avais préparés avec eux suite à des stages d'écriture, à des rencontres, tu vois. C'est plus, je me suis pas dit, ouais, je vais faire un album, tiens, quel feat je vais inviter, tout ça, tu vois. C'est plus un chantier que j'ai commencé. Après, je me suis dit, voilà, ça va être mon album. Et j'ai rajouté mes inédits. Et puis voilà, j'ai balancé le poids des mots. L'exploitation, l'oppression, c'est accepter l'inacceptable. Et vous, vous vous habituez à tout ? On s'habitue à tout, faut juste un petit temps d'adaptation. On se relève après coup, la prochaine on fera attention. On s'habitue à tout, même aux trucs les plus claqués. C'est comme la clope, tu commences par une et tu finis par le paquet. Habitué à semer de la mauvaise graine, à se contredire, à côtoyer les extrêmes. Habitué à trouver les portes closes, à l'exagération, la bulle excelle est forte dose. Facilement, t'as vu, j'ai demandé à Abdel qui s'occupe de nos concerts de... demander autour de lui s'il connaissait pas quelqu'un qui avait une connexion avec Olivier Besancenot, parce que j'avais pensé à lui pour l'intro justement. Moi j'avais fait l'intro au début tout seul. Après j'ai pensé justement à lui. Il a pas eu de mal. Je lui ai demandé lundi, mardi, je reçois un texto. Ouais salut, c'est Olivier Besancenot. J'ai vu que tu cherchais à me contacter. Voici mon numéro. Appelle-moi. Tu vois, t'as que je l'appelle. Voilà, le mec il est venu chez WAM. Il m'a check, et je fais, oh, vas-y, tiens, attaque, pose-toi, je lui ai fait écouter le truc. Après, voilà, t'as vu, ça s'est fait normal. Moi, j'ai pas calculé, tu vois. C'est clair qu'il y a eu
un petit buzz autour de ça, tout ça. Mais moi, à la base, je voulais même pas faire le clip. C'est après que j'y ai pensé, mais à la base, j'ai pas pris Besancenot, justement. Je l'ai juste pris par rapport à hein, que son... ses idées, parfois, tu vois. Je vois que c'est un mec, il est là, il ouvre sa bouche. C'est pas un mec qui ferme sa gueule. Quand il y a des manifestations, il est toujours là en première ligne. C'est un blanc, il est là, toujours là en train de défendre les idées des les Rebeux, les Renois. Donc voilà, par rapport à ça, pour moi, c'était, j'ai beaucoup de respect par rapport à ça, tu vois. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas Olivier Besancenot, tout simplement. Non, mais je suis en train d'écrire, là, je galère en ce moment. Tu sais, des fois, là, j'ai pas envie de le bâcler. Parce que c'est un deuxième album. Donc, il y a des gens qui connaissent, qui ont une attente, un truc. Donc, j'essaie de faire un truc bien pour ces gens-là, pour les gens qui suivent depuis le départ. Tu vois ce que je veux dire? Je veux que ce soit une suite logique. Et donc, c'est dur de trouver les compositions ou l'univers musical. Appel au beatmaker, tu vois, les gars. Non, mais c'est très dur. On voit des sons. Il y a plein de trucs de maintenant qu'on voit que c'est pas mon truc, tu vois. C'est pas bon. Là, comme je dis, moi je suis sur la plage, là, tu vois, je bronze. J'attends ma vague. Non, il y a peut-être aussi Haroun qui est en train de préparer un projet, donc qui est en train d'avancer aussi, à bosser. Voilà, tu vois, dès que les gens sont à prendre ce qu'on... Non, pour l'instant, voilà, il y a mon truc, mais après, on donne pas de date. C'est lui qui arrive, tant mieux. Et tant plus on est fou, plus on rit. Hein, donc, si on peut balancer plusieurs albums dans l'année, bah, tant mieux pour le groupe. Le but, c'est quand même, avant l'été, au moins d'avoir, tu vois, le solo de Moclès, Haroun et du mec soit dehors, pour pouvoir ensuite se repencher... J'ai un album Scred parce que... Qu'est-ce que j'ai écouté hier? Hier, je me suis réveillé dans ma tête, j'avais comédie musicale en tête. Tu vois? Donc, je suis parti sur YouTube et j'en ai mis plein, tu sais, sur mon Facebook. J'ai commencé par Grise. Pourquoi Grise? Parce que Grise, c'est une comédie musicale que j'ai aimée. Tu vois? Aujourd'hui, on devrait refaire un truc comme ça, un film hip-hop avec une vraie histoire. Tu vois, mais il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et surtout, tu vois, c'était les Bee Gees. Avec quoi j'ai déjà samplé pour faire où je veux, quand je veux, donc tu vois. Donc je suis parti dans un délire comme ça. Et j'en ai mis deux, trois comme ça, ouais, ça story, des trucs. Là, donc, tu vois. J'ai écouté Linda Lemay, tiens. J'aime bien Linda Lemay, ses textes, tout ça, ça me fait. C'est un peu. C'est Roma, donc voilà, elle a sorti un nouvel album. Sinon, j'ai écouté Demi-Portion, son nouveau clip. Donc, moi, j'ai écouté Florent Pagny qui a dit, moi, je veux pas que mon fils y parle rebeu. Sur Chéri FM. Je sais pas si t'as vu le. J'ai entendu parler. J'ai entendu aussi. Je suis parti écouter la liberté de penser, tout ça. Je me suis. Hein, et je me dis, la liberté de penser de ton fils, tu vois. Elle est où dans tout ça? Donc, ça, par contre, tu vois, il y a des artistes comme ça, tu sais, que. Là, il a le mettre ça. C'est aujourd'hui, tu vois. Ça veut pas dire que tu écoutes du rap, tu vas écouter que du Wu-Tang, du Lil Wayne, ou je sais pas quoi. Surtout nous, la secrète, tu vois. Non, on cherche, on écoute. On cherche. Il y a plein de... On écoute les rimes des gens. Les thèmes, comment ils abordent les thèmes, tout important. Ça. C'est important. Ouais. Après, on sait que notre musique, c'est le rap, celle qu'on pratique, tu vois. Mais ça ne nous empêche pas de voir autour de nous ce qui se fait, tu vois. Faut s'ouvrir. Ouais. Enfin, le mot de la fin, à part que le projet de Moclès sort le 29 novembre, le Podemo, c'est jamais dans la tendance. Il y a dans la bonne direction. Il n'y a que le poisson mort qui suit le courant. Il n'y a que le poisson mort qui suit le courant. Point.